Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous lire la liste complète des défis de la semaine 11 de Fortnite saison 6. Alors je commence par la quête légendaire qui va vous demander d'infliger des dégâts avec des pistolets doubles. Et pour ce défi, il faudra réaliser 5 étapes. Alors la première étape est d'infliger 1500 de dégâts, ensuite 3000, puis 4500, puis 6000 et puis pour finir 7500 de dégâts avec des pistolets doubles. Et quand vous aurez terminé les 5 étapes, vous débloquerez plus ou moins 130 000 XP. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez trouver des pistolets doubles. Et ces pistolets sont justement vendus par un personnage que je vous montrerai quand les défis sortiront demain à 16h. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'emplacement des doubles flingues. Alors maintenant pour les quêtes épiques. Le premier défi va vous demander de garder votre bouclier à 100% pendant 1 minute. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est d'aller à Slurpee Swamp et aller dans l'eau fluorescente pour avoir 100% de bouclier et puis rester 1 minute avec 100% de bouclier pour débloquer 24 000 XP. Alors le deuxième défi est d'utiliser des bandages. Là rien de plus simple, vous allez devoir trouver 3 bandages et les utiliser pour débloquer 24 000 XP. Alors le troisième défi est de jouer à différents modes de jeu. Alors je suppose que quand il parle de mode de jeu, ça doit sûrement être solo, duo, section ou alors foire d'empoigne, etc. Je pense pas que c'est relié à un mode créatif. Mais après on ne sait jamais, de toute façon je vous ferai un tuto demain dès que j'en saurai plus. Alors le quatrième défi est de dépenser des lingots d'or avec l'implacable. Alors pour ce défi, je ne sais pas encore ce que c'est, donc je vous ferai une vidéo dès que les défis seront disponibles demain à 16h. Alors le cinquième défi est d'éliminer un adversaire à une distance supérieure de 25 mètres. Donc pour ce défi, vous allez en foire d'empoigne, vous visez une personne qui a une assez longue distance, ensuite vous pinguez cette personne pour voir à quelle distance exactement elle est, et ensuite vous la tuez si elle est à plus de 25 mètres, ce qui vous débloquera 24 000 XP. Alors pour le sixième défi, vous allez devoir placer un cristal spirituel sur la plus haute montagne. Alors pour ce défi, je ne sais pas encore ce que vous allez devoir faire pour placer un cristal spirituel, mais je pense qu'il faudra juste appuyer sur la touche d'interaction pour le faire et il faudra juste se rendre à la plus haute des montagnes qui se trouve près de Catty Corner. Et pour le septième et dernier défi, il vous demandera de visiter les ruines du fantôme et les ruines de l'ombre. Alors les emplacements des ruines fantômes et de l'ombre, je ne les connais pas encore, mais je vous ferai une vidéo tuto dès demain. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bro. I'm Nick, bro.